on your belly. For full decarbonization of the global economy by 2050, for keeping fossil fuels in the ground, for committing to a just transition for our workers, for together. So there's one thing. Je pense que c'est une réflexion que le système politique dans les États-Unis et le Parti démocratique n'a pas écouté pour longtemps à le peuple américain. D'accord. Pour Trump, il dit que le climat, ce n'est pas sa priorité. Pas juste ça, mais il a dit que c'est une... C'est une trompe de l'œil des Chinois. Mais non. Et il a reçu d'argent de l'industrie qui pollue la planète. Je pense que non. Et il a dit qu'on va tirer les États-Unis dehors de l'accord de Paris et va couper tout l'argent à la Nation Unie pour les programmes climatiques. On a consacré à ce sujet-là le numéro de COP Connection, notre quotidienne, hier, avec notamment le témoignage de Pierre Canet. Pierre Canet, qui est l'expert climat du WWF, qui nous a rappelé que d'abord cet accord a été signé par les États-Unis, qu'il court pour 4 ans, et qu'effectivement, Donald Trump a toujours la possibilité de le vider de son contenu, de ralentir finalement la mise en œuvre, mais qu'il va être soumis à une pression de l'opinion publique américaine avec du lobbying très intense de la société civile, et par conséquent il lui sera très difficile de se mettre à dos toute une partie de cette opinion publique. La question après l'élection de Trump n'est plus de se demander ça va avancer, ça va pas avancer, etc. On a l'accord de Paris, la question c'est agir sur le terrain. Ça donne encore plus de responsabilité aux collectivités locales, aux entreprises, aux ONG pour agir. Et agir y compris avec nos amis américains qui font déjà des choses. Donc ça encourage vraiment, il faut y aller quoi. Après, il y a un risque, oui il y a un risque, mais il y a un risque dans d'autres pays aussi. Monsieur Poutine n'est pas très favorable aux ces accords-là. Pourtant, ils ont signé. Yeah, it's definitely it's pretty disappointing that someone who has professed to not believe in climate change has been elected in our country. It's definitely a really uncertain time for climate negotiations in the US. What your message? I guess I would ask him to consult some scientists on climate science. I would ask that he pay attention. I know he's a fan of some of the work that NASA is doing, and I wish that he was here to see some of the climate models that they've been presenting. Lors sa campagne électorale, et on souhaite évidemment qu'il ne reconsidère pas. Il faudra voir, mais c'est un processus qui est très complexe et qu'il ne peut déclencher aussi rapidement. Il doit prendre au moins 3 ans ou 4 ans avant de remettre en cause la participation des États-Unis à l'accord. Donc d'ici là, peut-être qu'on pourra le ramener à de meilleures considérations, à une meilleure attitude vis-à-vis de l'accord qui est aussi important pour les États-Unis que le problème. Il n'y a pas de crainte ici à la COP 22 après l'élection de Donald Trump? Non, il y a des craintes, c'est sûr, mais en même temps, on ne peut pas arrêter cet accord ou arrêter les travaux parce qu'il y a un nouveau président qui vient d'être élu aux États-Unis. C'est sûr qu'il y a des risques. Mais je pense que M. Trump devra réfléchir très sérieusement à l'avenir de son pays et de son engagement international.